Dans ce nouveau numéro des Passionnés, nous allons aller à la rencontre de Pauline Retailleau, une véritable passionnée du patrimoine qui a transformé sa passion pour le patrimoine en activité professionnelle. C'est à découvrir tout de suite dans Les Passionnés. Qui es-tu, Pauline ? Alors, nous sommes sur TV Vendée, donc je suis vendéenne. Et ça s'appelle Les Passionnés. Mais je suis une passionnée de patrimoine, de vieilles pierres. Une vendéenne qui a grandi où ? Qui a grandi donc en Vendée, près de Montaigu, et qui a fait ses études sur Nantes avant de revenir au Bercail. Alors dis-moi, Pauline, on t'a fait venir ici, nous sommes à Mouilleron-le-Captif, juste à côté de son château, le château de Beaupuy, bien connu des habitants de la commune. Si on est venu ici te retrouver, ce n'est pas par hasard, on en parlera plus tard, parce que toi, ta passion pour le patrimoine, tu l'as transformée en activité professionnelle et tu t'intéresses à l'histoire de l'architecture, à l'histoire de l'art, au château en général. Alors, mais dis-moi, quel genre d'enfance as-tu eu, toi ? Le patrimoine s'est révélé assez tôt chez toi ? Oui, j'ai baigné dans une famille qui est intéressée par la vieille pierre. Et puis, si je regarde plus largement, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, on est beaucoup dans la famille à avoir un métier en lien avec l'architecture. Donc il doit y avoir quelque chose dans l'ADN, je pense. Et donc, effectivement, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Tu as grandi dans une vieille maison avec tes parents ? Oui, j'ai grandi dans une vieille maison, pas très vieille, mais vieille quand même. Et donc, ça m'a intéressée, ça m'a interpellée, j'ai aimé l'esthétique. Et donc, j'ai toujours aimé, comme les enfants, en fait. J'aimais les châteaux et ça ne m'a jamais passé. Et à 3 ans, tu t'échappes de la maison pour aller grimper jusqu'en haut des échafaudages, c'est ça. Et là, il y a eu un premier tilt vers l'intérêt que tu avais pour la restauration de cette vieille baraque. Oui, je pense qu'effectivement, j'observais déjà beaucoup l'architecture. J'ai même, pour une autre anecdote, quand j'étais toute petite, j'ai fait une peinture à la gouache de la maison de mes parents. C'était l'exercice, je m'en souviens, en maternelle. Et j'ai fait comme ça différentes gouaches. Et il y a une gouache d'une montagne avec un village. Et le village, les maisons ont une toiture rouge parce qu'elles sont en tuiles. Et l'église, elle a un clocher en ardoise. Donc elle a un clocher bleu. Et c'est marqué derrière que j'avais 5 ans à l'époque. Donc apparemment, à 5 ans, j'aimais bien observer comment étaient construits les bâtiments, les matériaux, etc. J'avais déjà cette appétence, en fait. Et au-delà du bâti, finalement, avec le patrimoine, Pauline, on en a pour tous les goûts. Ici, nous sommes au cœur d'un parc paysager. On est sur un patrimoine paysager, un patrimoine artificiel, mais un peu naturel aussi. Oui, effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails de comment on décide un parc paysager, mais c'est ce qu'on appelle souvent le parc à l'anglaise, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'empêche que c'est une nature qui a l'air naturelle, mais qui a été redomptée, redessinée. Et effectivement, ça c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est justement ce rapport entre l'architecture et le parc et le jardin, notamment au 19e siècle, où on voit que ce sont des constructions, enfin, des compositions qui sont synchrones, et ça va, j'ai pas besoin trop de me baisser moi, des compositions synchrones, et en même temps, le parc est dessiné pour avoir des points de vue sur la bâtisse. Et la bâtisse, on installe les fenêtres et même l'organisation des pièces pour avoir des points de vue sur le parc. Donc c'est vraiment des choses qui sont liées, très intimement liées. Donc le patrimoine, ça peut être plein de choses. C'est aussi le chant des oiseaux dans les parcs. Pauline, toi, quand tu étais au lycée, tu savais que tu allais ensuite t'orienter vers des études liées à l'histoire ou tout simplement à l'architecture, au patrimoine au sens large ? Non, pas forcément. J'ai toujours eu un attrait pour l'histoire. Depuis enfant, il y a Versailles qui me faisait rêver, qui me fait rêver d'ailleurs. Toujours, Louis oui. XIV, voilà, c'était des personnages qui vraiment m'intéressaient beaucoup. Mais au lycée, non, je savais pas ce que j'allais faire. Et d'ailleurs, pour une nouvelle anecdote, j'ai passé le bac en étant inscrite nulle part, et je me suis inscrite à la fac par hasard vers la mi-août, parce qu'il faut bien s'inscrire quelque part.
Et en fait, au bout de quelques semaines, je passais mes journées dans la bibliothèque universitaire. Parce que tu étais inscrite à la fac... En histoire de l'art et archéologie. Voilà. Voilà. Alors et... ça, c'est pas vraiment un hasard, quand même. Je me souviens vraiment d'être sur la table de la cuisine et de lire le catalogue Onicep à l'époque et de regarder chaque colonne, vraiment avec un peu blasé quand même, je dois le dire. Ne sachant pas quoi faire. Voilà. Et en fait, j'ai lu Histoire de l'art et archéologie, je me suis dit, oh, archéologie, pourquoi pas. Et en fait, je me suis très vite plus spécialisée en histoire de l'art, puis en histoire de l'architecture. Et j'ai rencontré un prof, deux profs, mais dont un prof très fondateur. Et il parlait avec vraiment beaucoup d'émotion et beaucoup d'une passion très, très viscérale de l'architecture, notamment ce qu'on appelle l'architecture moderne, donc justement l'architecture 17e, 16e, 17e, 18e, pour faire large. Et en fait, je me suis surprise à vibrer par les mêmes choses, en fait. Et je me suis dit que c'était une évidence. Et tu t'es engouffrée pleinement dedans? Oui, engouffrée, je crois que c'est le mot, effectivement, puisqu'en plus, j'ai fait 6 ans d'études. Donc, en fait, j'ai fait un master valorisation du patrimoine et après, j'ai enchaîné par de la recherche. Et là, la recherche, eh bien, je me suis intéressée à ma Vendée natale, au château. Donc, je suis revenue vraiment à l'essentiel. Et donc, j'ai fait un master recherche de 2 ans sur les châteaux du 19e siècle en Vendée. Voilà. Donc, c'est devenu une évidence petit à petit. Et maintenant, avec le recul, je me dis que... le chemin a beaucoup de sens, finalement. Et j'ai jamais trop dévié. Alors Pauline, aujourd'hui, depuis un certain temps, déjà tu es indépendante, tu proposes tes services aux particuliers, aux collectivités, guide conférencière, on l'a également dit. Finalement, tu es sur beaucoup de projets à la fois. Qui concerne le patrimoine bâti, mais pas seulement. Oui, effectivement, le patrimoine bâti, mais aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure rapidement, le lien entre l'architecture et le paysage, puisque notamment au 19e siècle, c'est quelque chose qui est vraiment conçu de manière synchrone. Je suis secrétaire de l'association des parcs et jardins de Vendée, donc je suis entourée aussi de passionnés de parcs, de jardins, ce qui fait que ça attise aussi cette curiosité-là. Et puis, le bâti fait que forcément, on voit des boiseries, on voit des cheminées en marbre, on voit plein d'autres choses comme ça qui nous ouvrent encore plein d'autres portes. Donc ça permet de découvrir et de s'approcher en fait de plein de choses différentes, de plein de thèmes différents. Donc c'est intéressant, effectivement. Toi qui travailles de fond en comble, si je puis m'exprimer ainsi, sur ta Vendée natale, est-ce que tu arrives encore à découvrir des choses, à être émerveillé du patrimoine de notre beau département? Bien sûr. Pour tout dire, en fait, pendant 2 ans, j'ai aussi travaillé pour un éditeur, Geste Édition, qui est spécialisé dans les ouvrages régionalistes et notamment patrimoniaux. Et donc là, va sortir dans quelques semaines un ouvrage qui s'appelle « Château, manoir et logis de Vendée ». Et donc, dans ce cadre-là, j'ai dû rééplucher toute la littérature existante pour faire cet inventaire de châteaux. Un an et demi de travail, hein, je crois. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Et donc, il y a beaucoup de sites en Vendée. Si on prend que les châteaux et les maisons fortes, c'est quasiment 350 sites, plus une cinquantaine en ruines. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu le privilège d'être accueillie dans de nombreuses propriétés vendéennes, plus de 200 en 2 ans. Et donc j'ai vu des choses merveilleuses, j'ai vu des lieux complètement inconnus, complètement cachés par la végétation justement. Insoupçonnés. Et les propriétaires en plus, ça fait l'occasion de les remercier aussi, c'est qu'ils m'ont ouvert les portes très gentiment et ils m'ont montré leurs archives privées, même des propriétés qui ne sont pas ouvertes aux journées du patrimoine, voilà, parce qu'il n'y a pas d'obligation bien sûr. J'ai vraiment pu découvrir des choses que personne ne voit et ça a été un bonheur et j'ai été surprise, oui. Bien sûr. Pauline, pendant 7 ans de ta vie, tu t'es investie dans un château bien connu en Vendée, c'est le château de Talmont, à Talmont-Saint-Hilaire. Et là, quel fut pour toi, maintenant, ces souvenirs les plus forts que tu as eus en travaillant sur l'histoire de ce château? Ah, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que le souvenir le plus fort, finalement, c'est la dernière visite guidée. C'est le moment de dire au revoir, finalement, un au revoir un peu officiel
au château en lui-même, parce que effectivement ça tend de vie. Et puis quand c'est une passion, parce que j'ai le privilège bien sûr de faire un métier passion, parce que toutes les planètes se sont alignées, j'ai pu le faire. Et en fait, c'est un ami, en fait. La vieille pierre devient un ami. Donc, quand il faut lui dire au revoir, c'est compliqué, quand même, parce que c'est marquant, c'est assez viscéral. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être le moment le plus fort. Et en même temps, il y a des moments très marquants quand il y a des travaux de restauration et que je faisais les réunions de suivi de chantier et que j'étais dans des endroits improbables, très en hauteur sur les remparts. Alors, on va me dire que j'ai une marotte avec les échafaudages, mais peut-être, mais il n'empêche que on touche la pierre à des endroits où elle n'a pas été touchée depuis 800 ans. Donc je trouve que c'est quand même très émouvant. Et puis dans tous les cas, c'est quand même c'est devenu une évidence pour moi. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Le château de Talmont, c'est un des plus anciens en France et en fait en Europe de l'Ouest. Et on a des murs qui ont littéralement 1000 ans. Sur place, des pièces qui ont 1000 ans et qu'on peut visiter, on peut rentrer à l'intérieur, on peut toucher les murs. Et ça, c'est quasi unique en Europe. Donc, dans tous les cas, en fait, chaque visite était différente et chaque visite, c'était l'occasion d'avoir une émotion avec un regard avec un enfant, avec un adulte, avec un local qui redécouvre le château. Et on partage finalement des choses avec celui qui est en face de nous. C'est toujours très fort. Écoute, j'ai l'impression, Pauline, qu'on pourrait parler de tout ça encore bien, bien longtemps avec toi. On va se quitter malheureusement maintenant. Nous étions ici donc dans le parc paysager du château de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. À bientôt, j'espère. À bientôt. Le monde est petit en Vendée. Oui, voilà, surtout quand on est passionné de patrimoine. C'est ça. Et nous, on se retrouvera naturellement bientôt pour une autre émission des passionnés avec un ou une autre passionnée.